Et salut à tous les amis, c'est Darkrai Mythical qui est avec vous ce soir. Écoutez, ce soir je fais une petite vidéo d'un deck légendaire qui n'est nul autre que Articodin. Et cette vidéo, je la dédie à ma maman car ce Pokémon est son Pokémon préféré. Et comme je lui avais promis de le faire cette vidéo avec, pardon, je perds mes mots. Mais voilà, je lui avais promis de faire cette vidéo avec elle. Mais malheureusement, je n'ai pas pu le faire le soir où je suis descendu la voir car j'avais eu des amis qui m'ont invité, je la fais chez moi et je lui la dédie car elle le mérite aussi. Et ça fait très longtemps que j'attends d'ouvrir ce deck légendaire, ça fait peut-être plus de 3 semaines que je l'ai acheté et j'en suis très content car il n'est quasiment plus trouvable. Et maintenant que je l'ai, on va se le déceler. Alors comment est-ce qu'on procède, Tekiatik? Où est-ce que tu t'ouvres toi? Oh là là, ouais d'accord, ça a l'air d'être un compliqué encore plus que les autres. Ah si, là. Alors, on va se le déceler pour pouvoir découvrir comment est-ce qu'il est. Car je ne le connais pas, je n'en ai jamais ouvert, je n'ai jamais vu de carte de cette série à nul autre que maintenant. Et maintenant, je suis très impatient car je vais le découvrir. Et il y a, oh, un jeton de la Team Plasma, intéressant. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors, les pièces... Avec le poison, le dégât, les dégâts 150 et 10 et plus. Nous avons le plateau de jeu qui a... Oh, attendez, ça m'intéresse là. J'ai bien peur qu'il y ait les trois... Oups, mince. Oups, là, j'ai fait une bêtise. Attendez, si tu veux bien... Non, tu ne te déchires pas, j'aimerais t'ouvrir à peu près correctement. Bon, écoutez, je vais faire autre... Oh là là, mais c'est quoi ce merdier, je vous jure. Enfin, voilà, j'ai réussi à l'ouvrir, mais ce n'est pas le grande perfection. Je l'attraperai dans un autre, ce n'est pas bon. Et nous avons les trois Pokémon légendaires, si tu veux rester accroché, s'il te plaît, merci. Et nous avons le Articodin et Elector. Ah, puis le Sulfurac est juste en dessous que j'ai malheureusement déchiré. Ce n'est pas grave car je le réattraperai bientôt. Enfin, voilà. De toute façon, dans les autres decks, je pense qu'il doit y avoir la même chose. Donc, j'essaierai de faire plus attention la prochaine fois. C'est une faute de manipulation de ma part. Donc, voilà. Par contre, j'ai hâte de découvrir les cartes qui sont dans ce paquet, car je ne les ai pas encore vues. Plus le deck, le protège deck de base, avec Articodin dessus. Nous avons quoi d'autre? Oh, qu'est-ce que c'est que cela? Alors, attendez, je vais faire approximativement plus attention. Oh, oh! Avec une explication... Avec les trois decks légendaires Articodin, Electar, Sulfurac, que nous appelons Articuno, Zapdos et Moltres. Donc voilà, ce n'est pas mal. Ça, c'est quelque chose que je vais garder. Bon, le code online, si vous le voulez, allez-y, servez-vous, je n'en ai pas besoin. Mais par contre, le jeton de la Team Plasma, ça, je ne m'y attendais pas. Il est tout simplement magnifique. Une brillance, mais juste exceptionnelle. Et surtout que j'adore ce logo. Donc, nous allons déceler aussi les trois cartes que nous devons attendre. Est-ce qu'il y a une... Ah oui, il y a une faible protection. Ou c'est... Ah non. Alors, la première, il faut faire très attention car ces cartes sont très vite abîmables. Nous avons le Articodin de la Team Plasma. Et comme nous pouvons voir, le logo de la team de la série Plasma, 25 sur 135. Et nous l'avons deux fois. Deux fois. Donc, si une de ces cartes vous intéresse, dites-le moi. Je suis tout à fait apte à l'échange ou plus si vous avez quelque chose à me proposer. Plus le Aquali qui est juste tout simplement magnifique. Et maintenant, nous allons découvrir le deck qu'ils nous ont fourni avec. Alors si ça veut bien sortir, oh, oh là là, attendez, des énergies haut brillantes, elles sont superbes, le Evoli, Colores, un professeur, l'énergie, le N, professeur Juniper, spécial énergie, le Tritonde, Shadow Triad, je ne connais pas, je ne m'en rappelle plus,
Evoli, l'Hyperball, Batrachné, la balle de la Team Plasma, Colorless Machine, je ne sais plus ce que c'est, la ceinture musclée, les membres de la Team Plasma, corps de sortie, Energio, attendez, Crapuscule, oui, Crapuscule, je ne me rappelle plus, le nom est très compliqué, l'énergie spéciale, Triton, Gibrali, Bicyclette, Énergie, Lisande, Colress, Kyurem, oh! Avec Gentis, Énergie Retribale, la ceinture musclée, le Crapuscule ou Cul, je ne sais plus encore une fois, un Crapuscule, Evoli, Batrachné, N, Ultra Ball, Team Plasma, Colress, Professeur Juniper, alors le Aquali, l'Exagide, la balle de la Team Plasma, la clé enchantée, je ne sais pas. J'essaie de trouver. Je ne suis pas fort en anglais, mais ce deck est tout bonnement magnifique. Il n'y a rien à rajouter. Je suis fier de cet investissement et la brillance des énergies O est tout simplement magnifique. Franchement, c'est une très belle ouverture. Je ne m'attendais vraiment pas à cela, d'avoir un deck aussi beau avec deux cartes très jolies, plus la carte du Aquali. Et le badge de la Team Plasma, le jeton de la Team Plasma. Les cartes de Articodin iront sous un top loader. Comme vous pouvez le voir, ceci est un top loader. C'est une protection en plastique, comme vous l'entendez, très souple, mais très résistante en même temps. Mais cela protège bien avec un protège-carte, comme vous pouvez le voir, qui ne sont nul autre que des Dracaufeu, qui vont être juste parfaits pour ceci. Et ben en tout cas, les amis, je suis très content de cette ouverture. Je vous souhaite une excellente soirée. D'autres vidéos seront à venir. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de temps. Je m'en excuse si je ne publie pas tous les jours. Mais sur ce, une excellente soirée et bye bye!